Hassane Bandé kwam in 2018 over van KV Mechelen, maar raakte tijdens een oefenwedstrijd in de voorbereiding meteen zwaar geblesseerd. Een onbesuisde en onnodige tackle brak zijn kuitbeen en zorgde voor een scheur in de binnenkant van zijn enkel. Douda met interceptie en gaat door. En Hassane Bandé wordt geraakt. En zeer flink geraakt. Schreeuwt het uit. Hassane Bandé. C'était très difficile. Quand tu viens dans un club et voilà, tu n'as même pas joué, tu es blessé, une grave blessure. Voilà, c'est très difficile. Donc, mais voilà, il faut faire avec. Hein. De 19-jarige pechvogel Hassane Bandé, aangeslagen, verlaat de buitenspeler het veld. Je ne croyais pas, moi-même. Parce que c'est arrivé, c'était étrange. Pour la première fois, c'est la première fois que je suis blessé. Et voilà, c'est une grave blessure. Et quand on m'a dit que non, c'était une fracture, j'ai dit mais quelque chose de trop. Je ne savais plus à quoi penser. C'était vraiment douloureux. Et tu peux jouer sans peur maintenant? Ma jambe. Elle peut plus se casser parce que avec l'opération ils ont mis un métal qui protège la jambe. Donc voilà, si j'ai peur, c'est dans la tête. Si j'ai peur, ça veut dire que le niveau ça va baisser. Donc il faut donner à 100%. Donc j'ai pas peur. De aanvaller uit Burkina Faso maakte het succes van afgelopen seizoen van dichtbij mee. Bijzonder, maar ook erg moeilijk. J'étais content pour l'équipe, mais au fond de moi personnellement, j'aurais voulu participer aussi moi. Au succès de l'équipe, là, ça aurait encore été plus mémorable pour moi. Mais c'est dur aussi, oui. Oui, mais c'est dur, mais comme c'est une équipe, il faut avoir l'esprit d'équipe. Het herstel van Bandé verliep niet zonder slag of stoot. Na de zware operatie wachtte hem een lang en moeilijk proces om weer te herstellen. Inmiddels gaat het steeds beter en wist de aanvaller zelfs het net te vinden in het oefenduel tegen Willem II eerder deze week. Comment ça va maintenant avec vous? Maintenant, ça va. Tu es en forme? Bon, pas à 100%, mais je travaille pour revenir à mon meilleur niveau. Donc la progression, c'est petit à petit. Ouais. Pas 100%? Non, pas encore 100%. Mais je travaille dur pour revenir. Et travaille avec Richard Witsre. Ouais. Je fais toujours des extra training après avec Richard, avec l'entraîneur de Young, aussi avec le staff, tout. Je fais des extras. De jonge aanvaller is nog altijd positief en kan het goed vinden met de rest van de selectie. Je suis ami avec tout le monde. Je m'entends bien avec tout le monde. Je parle avec tout le monde. Mais amis proches, la Sina Traoré qui parle la même langue que moi, donc c'est un peu plus facile. On vient du même pays. Et aussi André, voilà, Labia, Ziek, nous, c'est. Tout le monde, je suis ami avec tout le monde en fait. Inmiddels maakt hij zijn minuten in Jong Ajax, maar hij droomt van meer. Mon but il n'a pas changé depuis que je suis venu à l'Ajax. J'avais pour but de jouer pour la première équipe, de marquer des buts et faire gagner mon équipe, faire des assists, remporter des trophées pour l'équipe, donc, faire plaisir aux supporters. Donc, ça reste toujours les mêmes buts.